فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, nous avons débuté le nouvel an musulman. Avec le mois de Muharram, le mois sacré de Muharram. Et comme vous le savez tous, ce fut le calife Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avec la concertation de plusieurs compagnons, qui a choisi la date de l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le début du calendrier islamique. Certains lui ont proposé de choisir la date de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme repère au début de ce calendrier. D'autres ont proposé de choisir la date de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'aucuns ont choisi la date de la réception de la première révélation par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le choix pour lequel Omar ibn Khattab a opté, c'est de choisir la date de l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme repère à ce calendrier. Pourquoi ? Parce qu'il savait bien, et parce qu'il voulait aussi bien montrer aux générations futures que l'immigration est un événement qui est bien particulier, un événement très important, un événement qui était le résultat d'un sacrifice énorme accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les compagnons qui ont choisi de le suivre. On peut se poser la question, pourquoi les gens immigrent leur pays, pourquoi les gens quittent leur pays d'origine, les pays de leur naissance? Il n'y a pas 40 raisons, on peut réduire cela à 4 raisons principales. La première raison, c'est qu'on fuit son pays ou bien on quitte son pays parce qu'on fuit la pauvreté et parce qu'on essaie de trouver des horizons d'autres pays dans lesquels il est plus facile de travailler, il est plus facile de gagner de l'argent, de gagner sa subsistance d'une manière assez aisée. Et c'est la raison principale de l'immigration d'énormément de personnes dans le monde. La deuxième raison, c'est une immigration bien particulière d'une certaine catégorie de personnes. Ce sont ceux qui vont quitter leur pays d'origine pour aller chercher un savoir qu'ils ne trouvent pas dans leur pays d'origine. Et en général, ce fut le cas de plusieurs musulmans qui ont quitté leur pays pour arriver à avoir des diplômes de haut niveau, de troisième cycle et ainsi de suite, dans certaines spécialités qui manquaient dans leur pays d'origine. Mais dans les deux cas, on voit bien qu'on est en train d'immigrer pour chercher une situation financière plus aisée. Donc l'objectif reste un objectif purement matériel et mondain. La troisième raison, c'est qu'on quitte son pays parce qu'on veut fuir la guerre. Lorsque la guerre est semée dans un pays, lorsqu'elle éclate dans un pays là, on craint pour sa vie, on craint pour la vie de ses enfants, la vie de sa descendance, et donc on quitte ce pays-là, et c'est la raison qui a fait quitter plusieurs musulmans leur pays d'origine, bien que ces pays-là soient musulmans, bien que dans ces pays-là il y a une certaine garantie de leur islamité, de leur religiosité, mais ils l'ont quitté pour chercher un pays où il y a un peu de sécurité, pour sécuriser leur vie et sécuriser la vie de leurs proches. Voici la troisième raison d'immigration, c'est ce qui a poussé beaucoup de Syriens par millions à quitter leur pays, beaucoup d'Irakiens à quitter leur pays, et ainsi de suite. Et la quatrième raison de l'immigration, c'est parfois lorsqu'on vit dans un pays où il y a du despotisme, où il y a de l'injustice sociale. Et parce qu'on a certaines opinions, où on est en train de défendre certains principes, et qu'on a peur des représailles du gouvernement, du pays dans lequel on évolue, qu'on quitte ce pays-là afin de trouver refuge ailleurs, là où on peut faire valoir ses principes ou là où on pense que ces principes sont respectés. Donc voici 4 raisons principales pour lesquelles les êtres humains quittent leur pays d'origine. Et on peut se poser la question, est-ce que l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand événement, fait partie de ces 4 catégories? On peut dire qu'il ressemble un petit peu au quatrième cas, puisque les musulmans ont quitté, bien entendu, le despotisme des Quraïchites, l'injustice qui sévissait dans ce pays-là, afin de trouver refuge dans un autre pays où ils peuvent trouver de la sécurité.
Mais les musulmans n'ont pas quitté la Mecque pour chercher la sécurité de leur corps. Ils ont quitté la Mecque pour chercher la sécurité de leur islamité, de leur religiosité, pour trouver un endroit où ils peuvent faire valoir leur liberté de culte, leur liberté de choix doctrinal. Voilà la raison principale pour laquelle ils ont immigré. Ils ont déjà immigré en Abyssinie pour fuir justement le despotisme et pour préserver leur vie. Et c'était souvent, ou bien c'était principalement les plus pauvres, les plus indigents qui ont quitté la Mecque à cette période-là. Mais la deuxième grande immigration, elle a regroupé les riches comme les pauvres. Abou Bakr n'a pas immigré pour chercher plus d'argent. Abdurrahman ibn Auf n'a pas quitté la Mecque pour chercher plus d'argent. Ils étaient riches déjà à la Mecque. Certains parmi eux n'ont pas quitté la Mecque parce qu'ils avaient peur pour leur vie, parce qu'ils appartenaient parfois à des grandes tribus d'une grande noblesse, lesquelles tribus qui leur garantissaient de vivre et qui les protégeaient contre parfois le despotisme des Quraychites. Mais la raison principale de leur immigration, c'est de préserver leur religiosité. Et voilà ce qui distingue l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute autre immigration. Parce que c'était un sacrifice extraordinaire que de quitter son pays natal, de quitter sa richesse, de quitter les siens, de quitter la terre de ses ancêtres et de partir vers un horizon incertain afin de pouvoir vivre son islam et de pouvoir défendre les principes auxquels on a adhéré. Donc c'est pour cela que l'immigration était un événement extraordinaire dans la vie de la première génération de l'islam, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a vanté le mérite de Al-Muhajirin, de ceux qui ont accompli ce grand événement. Chers frères et sœurs, l'immigration des musulmans était une immigration bien particulière, comme on a dit, parce que c'est grâce à elle qu'ils ont installé les fondements du vrai État islamique qui respecte les principes de l'islam et qui fait diffuser la sécurité, qui fait diffuser la paix et qui fait diffuser la vraie liberté du culte. Regardez, lorsque les musulmans se sont installés à Médine et qu'ils ont pris le pouvoir, la première chose qu'ils ont faite, ce n'est pas de combattre les autres religions, ce n'est pas de combattre ceux qui n'adhèrent pas à leur vision, pas du tout, loin de là. Ils ont sécurisé tous les habitants de Médine, y compris les juifs et les polythéistes. Et ils ont rédigé un pacte de paix avec tous les habitants de Médine. C'est pour dire que si nous sommes là, ce n'est pas pour imposer la foi à qui que ce soit, ce n'est pas pour imposer notre vision aux autres, mais c'est pour donner la liberté à chacun de choisir la vie qu'il veut. C'est de donner à chacun de choisir la vie qu'il veut tant qu'il ne touche pas les autres, tant qu'il n'attente pas à la vie des autres, tant qu'il ne déséquilibre pas la société, même s'il opte pour une autre religion ou il opte pour la non-religion ou la non-croyance. Et c'est ce que les musulmans ont fait dès qu'ils se sont installés à Médine. Et même lorsque Allah Azza wa Jalla leur a donné le pouvoir sur les Mécois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque et qu'il est revenu à la Mecque triomphant, il n'a pas puni les Quraychites. Il leur a dit: vous êtes libres, je ne suis pas là pour me venger. Et ceci confirme encore une fois que l'immigration des musulmans n'était pas une immigration seulement pour chercher une force politique ou une force matérielle pour asservir les autres ou bien pour écraser les autres. Leur intention était seulement de chercher leur liberté de culte, de pouvoir adorer Allah Azza wa Jal comme ils l'entendent, sans nuire à la vie des autres et sans restreindre la vie des autres. Et Allah Azza wa Jal justement a vanté le mérite de ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs versets coraniques. On citera seulement trois parmi eux. Allah Azza wa Jal dit à leur propos: et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont immigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie ici-bas, et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore, s'ils savaient. Allah Azza wa Jal a dit à leur propos: quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et
miséricordieux. Là, c'est une récompense de l'au-delà. Il est miséricordieux et il est pardonneur. Ça veut dire qu'il va absoudre tous leurs péchés. Allah Azza wa Jalla dit aussi à leur propos, ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté pour leur bien, par leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah et ce sont eux les victorieux. Ce sont eux les victorieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que quelle est la raison de ce privilège, de ce mérite qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. C'est l'intention qui les accompagnait pendant leur émigration. Pendant l'immigration des premiers musulmans, il y avait parmi eux un homme qui n'allait pas immigrer pour Dieu ou pour une question religieuse, mais il allait immigrer seulement pour se marier avec une femme nommée Umm Qais, qui était à Médine. Et donc il a profité de l'occasion, il était musulman, il a profité de l'occasion pour partir avec les musulmans, mais son but c'était d'atteindre cette femme-là pour pouvoir se marier avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la distinction entre les uns et les autres à travers cette intention. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith célèbre que nous connaissons tous, « Innamal a'malu bin niyat », certes les actes ne valent que par les intentions. Et chacun aura de la part de Dieu, selon l'intention qu'il avait. Celui qui a émigré pour Allah et son prophète aura émigré pour Allah et son prophète et aura la récompense en conséquence. Et celui qui a émigré pour profiter du bien d'ici-bas ou pour une femme qu'il veut, avec laquelle il veut se marier, il aura émigré pour ses raisons, c'est-à-dire pour des raisons terrestres, pour des raisons financières, pour des raisons matérielles, et non pas pour une raison spirituelle, une raison religieuse. Dans l'apparence, c'était un homme qui immigrait comme les autres. Dans l'apparence, c'était un homme qui a quitté son pays d'origine, qui a quitté son commerce, qui a quitté sa famille. Mais dans le fond, l'intention n'était pas bonne. Et voilà ce qui fait la distinction entre ceux qui œuvrent exclusivement pour Allah Azza wa Jal et ceux qui œuvrent, même s'ils œuvrent dans le bon sens, qui œuvrent pour leur personne, pour leur propre célébrité, pour leur intérêt matériel ou pour autre chose que Allah Azza wa Jal. Mais il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui dévoile les secrets du cœur. Et c'est en conséquence de quoi Allah Azza wa Jal va récompenser ou restreindre la récompense ou ne pas donner la récompense tout court. Donc l'intention était la chose la plus importante dans l'immigration de ses compagnons. Donc chers frères, à travers les trois versets que nous avons cités tout à l'heure, dans lesquels Allah Azza wa Jalla vante les mérites des immigrants, il y a trois conditions que les immigrants de départ ont satisfait pour arriver à ce degré-là. La première condition, c'est une foi inébranlable, la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième chose, c'est une patience, la patience, sabr. Et la troisième chose, c'est le mujahada fi sabilillah, la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Voici les trois raisons, ou bien les trois conditions que les musulmans ont satisfait pour être considérés parmi les meilleurs, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran. Lorsqu'on parle de la foi en Allah Azza wa Jalla, il y a deux types de foi. Il y a une foi dans laquelle il y a la certitude, il y a la connaissance de la religion, la connaissance des principes fondamentaux de la religion, et ça c'est ce qu'on appelle le fiqh fi din. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit la dernière fois, a invoqué en faveur de Abdullah ibn Abbas en disant Allah mafaqihu fi din wa allimhu ta'wil. Dieu fait de sorte qu'ils comprennent ce qu'est la religion. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont la foi, qui ont la ferveur, qui ont le courage, la pratique apparente, mais au niveau de la compréhension profonde de la religion, il n'y a rien. Parce qu'il y a de l'ignorance. Et nous sommes une religion qui suscite énormément l'intelligence et la vision profonde des choses. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc il faut qu'il y ait une foi de ce genre-là. La deuxième chose, c'est la patience. Parce que toute personne qui croit véritablement en Allah Azza wa Jal, qui essaie de pratiquer sa religion comme il le faut, forcément, Allah Azza wa Jal va le mettre devant l'épreuve pour tester la solidité de sa foi. Et ça, c'est une loi immuable qui existe dans le monde. À chaque fois qu'il y a des gens qui ont suivi le sentier d'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas tardé de vivre des épreuves qui peuvent être très 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 dures. Et d'ailleurs, nous les musulmans, nous autres musulmans, lorsque nous nous sommes installés dans ce pays-là et ailleurs en Europe, au départ personne ne nous voyait ou ne nous donnait de l'importance. La majorité était loin de la religion, loin de la prière, loin du jeûne. Le seul endroit du rassemblement c'était les cafés, les bars,
Et donc, dans ce climat-là, on ne donnait pas d'importance aux musulmans. Mais dès que les musulmans sont revenus à leur mosquée, dès que les musulmans se sont attachés à leurs pratiques religieuses, dès que les musulmans ont construit leur mosquée, dès que les musulmans se sont prosternés à Dieu, dès que les musulmans ont enseigné le Coran à leurs enfants, c'est là où les ennemis sont apparus. Alors qu'on est dans un pays de liberté religieuse. De liberté religieuse. Et c'est là le dilemme. Et c'est là où la critique va commencer, et c'est là où les projets destructeurs vont commencer, et qui vont se répandre chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné, et de dire, mais c'est pas normal. Non, mais c'est normal. Dans la loi divine, c'est normal. Dans la loi terrestre, c'est pas normal. Mais dans la loi divine, c'est normal. Mais ce que Allah Azza wa Jalla attend de toi, ce n'est pas seulement d'analyser, mais pourquoi on le fait ça, et de critiquer, non. Allah Azza wa Jalla attend de toi de patienter et de lutter pour préserver ton islam et l'islam des générations futures. Et lorsqu'on dit lutter, et c'est le troisième point, la troisième condition avec la patience, c'est le mujahada. Lutter, c'est pas prendre l'arme. Lutter, c'est pas prendre les bombes et tuer les innocents. C'est pas comme ça qu'on lutte. Et d'ailleurs, si ça résolvait le problème, on l'aurait vu dans les dernières années où beaucoup de personnes ont semé de la terreur sur terre au nom de l'islam. Ils n'ont rien résolu, au contraire, ils ont enfoncé encore les musulmans dans les ténèbres des problèmes. Lorsqu'on parle de la lutte, déjà on commence par lutter contre soi-même, contre notre passion. Lorsque quelqu'un parle de la lutte dans le sentier de Dieu et qu'il n'arrive même pas à se lever à l'heure pour accomplir la prière de l'Fajr, de quelle lutte tu parles? Lorsque tu viens dans les mosquées des musulmans et que tu trouves à peine une rangée pendant la prière de l'Fajr, deux rangées pendant la prière de l'Isha, alors que les autres sont en train de zapper devant la télévision ou de dormir, où est la lutte qu'on est en train de chercher ou dont on parle? C'est la première lutte avec laquelle nous devons commencer. De pratiquer notre religion comme Allah Azza wa Jal le veut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait. Lorsqu'on trouvera nos mosquées remplies par les musulmans, lorsqu'on trouvera les musulmans serrés les uns contre les autres pour apprendre leur religion, c'est là où on peut dire les musulmans ont commencé à faire la vraie lutte. Mais tant qu'on ne fait que critiquer, que appeler au désastre, que appeler à l'injustice, et pendant ce temps-là, on ne voit pas l'injustice qu'on commet contre soi-même, c'est qu'on n'a pas compris ce dont Allah Azza wa Jal parle lorsqu'il parle de la lutte dans le sentier de Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jal ne change pas la situation d'un groupe de gens, sauf lorsqu'ils changent ce qu'il y a en eux-mêmes. Et nous avons beaucoup à changer de nous-mêmes. Je ne parle pas que de notre échelle, de l'échelle des musulmans dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir comment les musulmans vivent leur islamité à travers le monde. Et donc voici les trois conditions qu'avaient satisfait les compagnons lorsqu'ils ont accompli leur immigration pour arriver à ce degré, à ce mérite dont Allah Azza wa Jal a fait référence dans le Coran. Et c'est dans ce sens-là que nous devons suivre les pas de nos ancêtres si on veut qu'Allah Azza wa Jal nous comble de sa clémence et de sa miséricorde et de son agrément. Chers frères et sœurs, si Allah Azza wa Jal a vanté le mérite des immigrants, il n'a pas oublié le mérite de ceux qui les avaient accueillis, à savoir Al-Ansar, les résidents de Médine, parce que ces gens-là ont aussi joué un rôle important dans l'installation de l'islam et dans l'épanouissement de l'islam. Sans eux, les premiers musulmans n'auraient pas trouvé un bon refuge sécurisé. Sans eux, les musulmans n'auraient pas pris l'ascendant sur leurs ennemis. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal donc cite toujours Al-Muhajiroun et Al-Ansar. Al-Ansar n'ont pas quitté leur pays, mais ils ont donné un grand sacrifice pour accueillir Al-Muhajiroun, pour se comporter avec eux de la meilleure des façons. Ils n'ont pas installé un certain racisme dans leur société. Ça, c'est les immigrants qui viennent de loin et nous sommes les autochtones. Ils les ont considérés comme leurs frères parce que l'objectif principal était de consolider la communauté musulmane sans aucune distinction entre ceux qui sont arrivés dans notre pays et ceux qui étaient autochtones du pays d'accueil. Et c'est pour cela que nous autres musulmans, nous ne devons jamais avoir une vue de transcendance par rapport à ceux qui ont immigré ou ceux qui ont quitté leur pays, quelle que soit la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont immigré. Nous devons travailler pour le bien de tout le monde et nous devons accueillir tous ceux qui veulent chercher le bien dans cette
religion et lui apporter l'aide nécessaire. On aura l'occasion de détailler ce qu'est l'hijra dans notre époque. L'hijra avec son sens strict s'est arrêté avec la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de hijra après la conquête de la Mecque. Mais l'hijra dans son sens global continue d'exister et les musulmans sont invités à l'accomplir. Quitter beaucoup de choses pour recouvrir avec d'autres choses qui sont beaucoup plus nobles et qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce dont on essaiera de parler la prochaine fois, Inch'Allah.